Alors, comment expliquer? Tu vois, normalement, avec deux carbus, j'aurais pu en faire un, hein, tu vois, si c'était de carbu européen, tu vois. Alors, le souci, là, déjà, vis serrée à la mule-œil, même un tournevis a frappé, on peut pas l'enlever, ça, là, elle est complètement foirée, tu vois. J'ai même essayé les Hermann, impossible de l'enlever. Du coup, je me suis dit, je vais adapter les pièces du Hoco, tu vois, sur le stage 6, tu vois. Bon, les boisseaux, déjà, c'est pas les mêmes. Les vis d'apport d'air, ben, comme tu peux le voir, tu vois, sur le Hoco, elle est plus petite et plus fine. Sur le stage 6, elle est plus grosse et plus longue. Donc déjà, ça va pas y aller. Et vis de ralenti, c'est la même. Sur le Hoco, elle est plus grosse et plus petite. Sur le stage 6, elle est plus fine et plus grande. Donc déjà, c'est mort. Donc, et puis là, du coup, vu que je peux pas dévisser la cuve, je peux pas savoir ce qu'il y a comme giclant de ralenti, le dévisser ou quoi, tu vois. Ouais, ça va me péter la tête, ça, aujourd'hui, je pense. Donc, un bon carbu, tu prends un Sunward, ça vaut 92 balles. Certes, c'est un prix, mais au moins, t'es pas emmerdé, tu vois. Parce que là, les deux carbus, ils sont défoncés autant l'un que l'autre.